I'm working as a director for the short programs for TF1 and Disney for the Magical Moments Festival with different celebrities that have offered their beautiful time and energy and creativity to come just share some very intimate story with us that you know, it's all about feeling good. We have Thomas Sisley and Ariel Dombal, Gérard Depardieu, Sébastien Chabal and Marc Lavoine. I mean, just to name a few. Actually, my job as a director is a little bit different than what I usually do because it's really about finding these frames and special moments and kind of magic light, and then setting everything up, making them feel comfortable, and then letting them tell the story the way they want to tell the story. Ce que je trouve très touchant dans le rapport que peut avoir un enfant avec Disney, justement, c'est quand on a il a l'impression de rentrer lui-même dans l'histoire, quoi. C'est-à-dire que, au lieu d'être spectateur, il est acteur. Un jour, quand j'avais 11 ans, mon père m'a dit que j'étais le fils de l'homme invisible. Et donc, j'en déduis, je suis enfin invisible. Et c'est un moment absolument somptueux, quoi, de pouvoir se dire que j'avais enfin les mêmes pouvoirs que mon père. Alors, faut le faire, quand même. Le must absolu, la petite sirène, reste donc la figure à laquelle je m'identifie. Quand j'ai su que Walt Disney l'avait appelée Ariel, alors je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un signe. Le moment le plus fort de ma carrière de sportif a été la Coupe du Monde de rugby 2007. C'est un moment qui a été intense dans les émotions, parce qu'il y a eu des grands moments de joie. Je suis retombé en enfance. Et tout ce que je voyais, tout était féerique, tout était magique. J'ai pas dû ressentir ça souvent dans ma vie. Je suis dans un dessin animé, en fait. Emmener des enfants à Disneyland, regarder ce qu'ils regardent, et à un moment, regarder les eux. L'émerveillement qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre, il est encore plus fort quand on le lit dans les visages des enfants.